monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo avec Juliette. Coucou. Vous avez été super nombreux à adorer la vidéo Instagram contrôle ma journée où Juliette passait la journée avec moi. Parce que la vidéo elle a fait 1 million de vues en une semaine, c'était juste dingue. Donc, merci beaucoup, d'ailleurs je vais la réembarquer bientôt pour une deuxième vidéo. Instagram choisit ma journée, mais version plus... Ben plus trash hein, je pense. Je sais pas quand est-ce qu'on va la refaire, mais on va vous refaire ça, c'est promis. Aujourd'hui, en attendant, je me suis dit que j'allais réaliser une vidéo pour vous qui m'a été un peu demandée, mais surtout que j'ai vue sur les réseaux et qui m'a fait beaucoup rire puisque vous êtes super nombreux à nous dire qu'on se ressemble, alors que nous, on trouve pas du tout qu'on se ressemble, on est même plutôt très différentes. J'ai 2 ans et demi de plus que Juliette et elle mesure 5 cm de plus que moi. J'ai été obligée aujourd'hui de me mettre sur une chaise qui monte et qui descend parce que sinon je fais pas sa taille, donc voilà, c'était... c'est dramatique. Bon bref, donc du coup aujourd'hui on s'est dit il est temps de voir si on est capable de vraiment se ressembler, si on s'habille pareil, si on se maquille pareil, si on se coiffe pareil. Donc on est habillé pareil, on a quasiment le même collier, on a toutes les deux les cheveux raides, quasiment la même couleur, on a même mis les mêmes boucles d'oreilles. Juste que Juliette n'est pas encore maquillée, donc du coup je vais la transformer en moi. C'est parti, donc j'ai pris tout ce dont j'ai besoin pour te maquiller. T'es ready? Ouais, allez. Quoi? T'as peur de quoi? Détends ton visage! Non, je vais pas pouvoir te maquiller. Je vais vous lister dans la barre d'infos du coup les produits que j'utilise pour Juliette qui sont exactement les mêmes produits que j'ai utilisés sur moi ce matin. Donc là, on part sur un fond de teint Fenty, mais toi tu l'aimes bien, non, celui-là? Ouais, j'aime bien celui-là. Donc maintenant qu'on a fini ça, on va continuer avec le contouring. Le contouring. Oh, 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 mais c'est pas du tout trop foncé. Mais c'est un contouring banane. Voilà. Est-ce que tu vas me détester? Dites-nous dans les commentaires si vous aussi vous avez un frère ou une sœur et qui vous ressemble ou pas. Ça m'intéresse de savoir parce que... En fait, généralement, ils pensent dans tous les cas que c'est Juliette la plus vieille. Je sais pas, t'as toujours fait plus âgée que moi en fait. Et pourtant... Alors que je suis née en 95 et qu'elle est née en 97, donc quand même... Ça me vexe beaucoup quand les gens disent. Et on me dit toujours, tu verras, tu seras contente après quand on te dira que tu fais plus jeune. Pour l'instant, ça me saoule. Tu regardes tout ça avec genre un air genre quoi encore? Mais t'es sérieuse? Pourquoi? Ben parce que... Toujours en haut, on sait jamais ce qui peut se passer. Ah bah oui, ça peut tomber du ciel. Bah oui, on sait jamais. Ça va? Ça va, ça va. Ça va, merci. Elle est comme ça depuis tout à l'heure. Non mais ça va, elle est t'inquiète. Les gens disent toujours que j'ai des petites paupières. Vous n'avez pas vu les paupières de ma sœur. C'est juste une angoisse. C'est encore plus petit que les miennes. J'ai des paupières qui tombent alors. Déjà ça me complexe. Arrête, je vais me faire relever les paupières. Mais n'importe quoi. Pourquoi? Ah j'avoue, ils sont pas du tout épilés. Non, je devais y aller hier. Ah bah ça va, tu me facilites la vie. J'ai raté mon rendez-vous. Putain, tourne la tête. Il y en a partout. J'ai pas pris de pince à épiler, Juliette. Je me suis sous bac. Non, on va faire bien. Pourtant, on a la même racine. Mais c'est bizarre. Je sais pas quelle forme tu fais tes sourcils d'habitude, mais là, je te les fais vraiment comme moi je me les fais. Hein. J'espère que tu vas aimer parce que j'ai trop peur que ça lui plaise pas et qu'après, elle soit là, genre. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Je peux regarder ma main comme ça, tu vas me détester. Tu vas me détester, Juliette. J'ai pas envie. Ah! Elle va me tuer. Ils sont pas aussi épais que moi là. Bah, c'est parce que t'as des sourcils de Chewbacca. Mais je peux te les désépaissir si tu veux. Pour les yeux, on va prendre la Back Talk de chez Urban Decay, c'est la dernière palette, enfin c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière palette qui vient de sortir, qui est trop jolie. En fait elle a un miroir qui sort, tu vois, et d'un côté il y a les fards à paupières et de l'autre les blushs. Donc aujourd'hui je vais me servir de cette couleur là, donc la Back Talk. C'est exactement, je te refais en fait le même maquillage que je porte. Ok. Avec le trait de liner et tout? Oui. Tu veux y arriver? Bah j'espère. T'as envie de quoi? Éternuer. Bah éternue alors. N'éternue pas dessus, s'il te plaît.
Non. Ça peut venir. En fait, on avait fait une vidéo avec Juliette où c'était le Disney Challenge. Donc on met des musiques de Disney et c'est à celle qui reconnaît le plus vite. Et c'était moi qui avais gagné. Si vous avez pas vu cette vidéo, je vous la mets dans le petit i. Là, vous pouvez juste cliquer pour aller la voir. Tu veux reprendre ta revanche? Ouais. Je reprends ma revanche. On verra. Avec le doigt, quoi. Bah vraiment. Oui, parce que si tu fais pas avec le doigt, en fait, la couleur, elle se met moins bien. Très bien, chérie. Ça fait un bruit là, j'avais l'impression que tu t'étais vachement loupée. Ensuite, on va se faire le ras de cils inférieur. Et pour ça, je vais reprendre ma couleur Back Talk là. Lève les yeux. Mais je vais pas te crever l'œil. Arrête de paniquer, tu fais pas confiance. Si, si. Est-ce que je t'ai déjà fait mal? Je pas. Tu m'as fait mal. Ça, c'est vrai. Elle est comme ça. Maintenant, c'est temps de l'eyeliner. Faut que je me détende, il faut carrément. Non, enfin, je pense qu'il va falloir que tu te détendes et puis moi aussi, parce que là, sinon, on risque de faire un truc. Tiens, ça va te canaliser. Non, mais là, t'as la peau bien piquante. Oh putain. Allez, calme-toi! J'ai d'espace, ok. Ouvre l'œil du coup. Ça va être plus simple. Et regarde droit devant toi. Attention, je vais cligner. Attention, je vais cligner. Ah, ça va? Ouh, je sentais plus mon œil. Oh là là, oh. Fatigante, hein. Il est fait celui-là, c'est bon? Oui, celui-là il est fait. Ah, cool. Dis tout de suite que tu passes un mauvais moment avec moi. Non, hein. Pas du tout, mais c'est juste que c'est de rester fixe à un point, c'est assez. Je trouve que c'est assez. Ça prend beaucoup de larmes dans les yeux. Ah, d'accord. Ferme. Voilà, comme ça. Comme ça, tu verras plus. Cool. Bah, maintenant, t'as plus qu'à. Mon dieu. Au revoir! Mettre le mascara. Tiens. Merci. Non, tu gâches pas mon travail. Non, non, mais pas comme ça, mais pas comme ça. Mais oui, mais je l'oublie, je l'oublie. Juliette, gâche pas trop au travail. Non, promis, je rattrape. Elle est trop bien. Ouais, elle est trop bien, c'est trop bien. C'est pas la même, non? Ouais. Je lui dis, plisse pas le fou, elle est là, genre, encore du contouring. Avec le houla. Encore? Ouais, mais ça se voit pas en fait, c'est juste pour donner une base celui que je t'ai mis au début. Ça fait pas du tout du bruit. On va prendre le rocateur. Non, j'ai pas mis d'highlighter aujourd'hui. Quoi? Ça te gêne, Stace? Oh, ça va! J'aime bien l'highlighter. J'en mets pas tous les jours de l'highlighter. Et pour finir! Sur les lèvres, j'ai mis ça, c'est-à-dire que j'arrête, j'en ai fait. Merci. C'est cadeau. Alors, oula. Tu vois? Oui, c'est bon. Donc, voilà à quoi ressemble le résultat final. J'ai fait à Juliette exactement le même look qu'à moi, excepté les sourcils qui sont pas épilés chez Juliette de la même manière, donc ils sont plus épais que les miens. Mais sinon... On a le même look. Ouais. Alors dites-nous dans les commentaires si on se ressemble ou pas. Moi je trouve quand même qu'on n'est pas pareil. Non. Hein. On n'est pas tout à fait pareil. Même la forme du visage. Même maquillée pareil. Même maquillée pareil, habillée pareil et tout. Voilà, donc ça c'est pour tous les gens qui disaient qu'on se ressemblait. On se ressemble un peu. Mais on n'est pas exactement identiques, toutes pareilles, tout pareil. On aura essayé. Mais ça n'aura pas marché. Un jour je la maquillerai comme moi. Bon. Dites-nous dans les commentaires si vous aimeriez qu'un jour Juliette me transforme en elle avec son look à elle, parce que là j'ai fait un look assez classique puisque c'est moi je m'habille souvent de cette manière là donc j'ai forcé Juliette à s'habiller comme moi aujourd'hui. Mais sinon n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie que Juliette me transforme en moi. Enfin non. Non, non, moi Juliette me transforme en elle. Et écoutez, on vous fait plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur la tête de Juliette. Et allez voir ma dernière vidéo en cliquant sur moi si vous avez envie. On vous fait à toutes et à tous d'énormes bisous et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye.